Bonjour à tous, on est mercredi 8 décembre. C'était pas prévu que j'aille chez Leclerc aujourd'hui, mais aujourd'hui il y avait 34% sur le rayon que je jouais. Et donc Johan est allé en sortant du travail récupérer pour Lisette. Et voilà, et en fait pour Martin il n'a pas trouvé. Donc moi cet après-midi pendant qu'il était au spectacle avec les enfants, et eh bien je suis allée à Amboise. Je n'ai pas trouvé non plus, mais du coup j'ai tout pris pour Noël pour éviter de retourner une fois de nouvelle. Pour les maîtresses, hop, j'ai pris deux bougies à la parfumerie, enfin une bougie chacune, hein, la maîtresse et la Tsem. Voilà, parce que en général je fais des petits gâteaux et je leur donne des petits gâteaux, mais cette année je sens que j'aurai pas le temps de faire des petits gâteaux, enfin pas assez pour en offrir à tout le monde. Donc on gardera ce qu'on a fait, on en donnera un petit peu pour leur café à toutes, mais ça n'ira pas plus loin, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée. Donc hop, j'ai pris ça, j'ai repris du pain de mie pour Lisette. En fait il est vachement meilleur que celui de chez Lidl qu'on a mangé hier en croque-monsieur, et en fait il a un goût de brioche, ce qui peut être agréable pour le petit déjeuner, mais pas tellement pour le pain de mie, donc pour le salé. Donc voilà, j'étais déçue, j'ai repris ça. Pour Martin, je lui ai repris cela, des petits pains au lait, ben, pour son petit déjeuner, c'est pareil, ils sont meilleurs. Quand on a acheté un paquet, donc c'est vraiment ça, c'est pour Noël, les papillotes Révillon, ce sont les meilleurs. On a acheté un paquet, il y avait 68% de réduction sur le second. Donc je vais les ranger, il y en a un qu'on mangera comme ça, le reste je vais partager et leur mettre dans les chaussettes. Ils sont montés jouer, il faut vraiment que je me dépêche. Voilà pour les petits cadeaux, on aime bien les papillotes. J'ai pris déjà le pain pour les toasts qui se conservent longtemps, un spécial foie gras et puis de nature. C'est un peu pour les vacances, voilà, trois paquets d'Oreo. Ils en avaient des doubles crèmes que nous préférons, mais en fait on sentait qu'ils avaient pris des coups en attrapant les paquets, on sentait qu'ils s'étaient tout émiettés dedans, donc j'ai opté, ben tant pis, pour les originaux. Alors, il doit y en avoir encore un quelque part qui se balade. Ça, ben, c'est pareil, c'est pour les chaussettes. Zou, il y a une surprise dedans, j'espère que ce sera sympa. J'ai repris pour son petit déjeuner à ma Lisette, Martin boit son verre de lait, lui, nature. Donc je sais qu'il n'y en aura pas assez pour arriver à la fin des vacances. Hop. Ça, c'est pour les toasts, on les aime beaucoup. Donc les émiettés, thon, chorizo, surimi, crème, ciboulette. Alors il y a le mot crème, forcément ça va être super bon. Ça, c'est pour Martin, tomates séchées, enfin pour nous tous, mais je l'ai acheté parce que Martin, lui, ne mange pas de poisson, donc il faut bien qu'il ait un petit peu quelque chose sur ses toasts aussi. Zou! Ça, c'est pour moi, mais je suis sûre qu'Élise va adorer aussi. Donc, c'est la crème de marron. Voilà, j'en achète qu'en hiver, c'est mon premier pot pour cette année. Et voilà, bon, ça va me faire bien plaisir. Voilà! Hop, le quatrième Gugus, le lot de 4 paquets de croustilles, on aime toujours bien, et puis forcément les vacances, ce sera souvent apéro, c'était pas cher, c'était un peu plus de 2 euros, donc ça valait le coup. Ça c'était aussi à la parfumerie, c'est pour ma chérie, c'est un déo, c'est le seul déo pour enfants qui existe, et elle en a besoin, donc hop, le sien était tout vide, donc voilà, ça tombait bien. Et puis pour Lisette, pour tout le monde, hein, mais c'est surtout Lisette qui m'a réclamé des oranges. Donc il n'y avait pas écrit orange à croquer, enfin c'est orange à jus, mais bon, c'est pas grave, hein, ça s'épluche et ça se mange aussi. Voilà. Deuxième paquet. J'ai pris des olives, voilà, à l'ail, parce qu'il nous en reste mexicaine ou orientale, mais elles arrachent, hein. Nous on aime bien quand ça arrache, mais là ça débouche le nez, du coup celle-là j'ai prise, ce sera plus doux. Ça, ce sont pour les enfants parce que il n'y a pas d'apéritif réussi s'il n'y a pas d'apéricube. Donc chèvre, chorizo, bleu, jambon cru et jambon bleu tomate, c'est une boîte un petit peu plus petite. Voilà, nous on les aime bien au poisson, mais comme on ne peut pas zioter ce que Martin mange,
Du coup, on achète tout son poisson, comme ça, il peut se jeter dessus et puis on n'est pas obligé de faire la police. Hop, les équipouilles. Ça, c'est pour moi des escargots de Bourgogne. Alors, en fait, c'est juste la recette qui est de Bourgogne. Les escargots n'ont pas rampé sur le sol bourguignon, mais voilà, ils sont là, belle rouge. Ça fait au moins 2, 3, 4 ans que je n'en ai pas mangé. Et je suis la seule à aimer ça. Ça, bah, c'est pour nous trois. Pour l'apéro, des tartelettes croustillantes avec des noix de Saint-Jacques. J'en ai jamais acheté. Il y avait 34% là-dessus en ticket de terre. Johan m'a demandé du saumon. C'est chose faite. J'ai pris chez la Berry. Il y a un minimum de 6 tranches. C'est pareil, les dates, ça va super loin. Ça va jusqu'au 30 décembre. Donc c'est bon, j'ai tout zioté. Et puis pareil, donc 34% en ticket Leclerc. J'ai repris un gros paquet de fromage comme ça. Il nous en restait encore la moitié d'un. C'est pas suffisant, on en utilise beaucoup. Et il y avait 20% en ticket Leclerc. Ça, c'est parce que quand je vais avoir la flemme, et là je sens que je vais avoir la flemme, ben, on va manger des carbos. Voilà. Donc j'ai repris les allumettes avec 30% de graisse en moins. Ça, c'est pour les enfants. Johan et moi, rien que l'odeur, ça nous fait, ça nous lève le cœur. Mais les enfants adorent voilà, les petites tomates cocktail comme ça, les petites saucisses cocktail. Et puis voilà, ils trempent ça dans le ketchup. Ils sont contents. Donc hop, on va leur faire plaisir. C'est la fête à tout le monde. Je vous parlais de flemme, ben voilà, j'ai pris, ça m'arrive quasiment jamais, mais des pizzas toutes prêtes de chez Sodebo, donc préférées des enfants, hein, jambon, fromage, parce que là je suis fatiguée, je vais encore aller poster les colis qui sont déjà prêts pour qu'ils arrivent à temps, demain ce sera impossible. Donc voilà, je sais, soit pour ce soir, soit pour demain soir, et ça va bien, bien alléger. Il y a 3 paquets comme ça de purée. Vous la connaissez maintenant, hein, nous l'adorons, nous l'achetons tout le temps. Quand on achetait 2 paquets, il y avait le 3e qui était offert. Donc comme j'avais pris hier, j'avais pas mal de tranches de blanc de poulet, eh bien, c'est cool. Allez, le cliché des apéros, donc le pâté en croûte, donc il est label rouge, recette traditionnelle, voilà. Ça, tout le monde aime bien. Même moi, un peu moins, j'aime pas trop les pâtés tout ça, mais voilà, ça fait fête. Ça, c'est un petit peu ben, pour les enfants, c'est ce qu'ils préfèrent. C'est moi, même si ça fait un petit peu plus que le saucisson sur les toasts, c'est pas grave, quoi, ils aiment bien. Voilà, 34% en ticket Leclerc. Ça, ce sont des tranches de canard. Ben, je ne sais pas si eux en mangeront, mais bon, il y en a assez pour qu'on puisse tous partager. Voilà, pareil, donc 34% en ticket Leclerc. Donc la Berry, franchement, ça valait le coup. J'ai trouvé leur tarif à peine, mais réellement à peine plus élevé que chez Leclerc. Et puis en plus, il y a 34% en ticket Leclerc. Donc voilà, la différence de qualité, rien qu'à l'œil, ça se voyait. Et puis ça, c'est mon fromage blanc. Hop, je mets là sur la lumière. Voilà, ben pour mettre la crème de marron dedans, voilà, c'est pour renforcer mes os, tout ça. Il y a encore toutes les boissons. Je vais rapatrier les boissons, sauf le pack de lait. Donc, il y a un gros pack de 8 litres de lait de chez Candia qui était en promo à moins de 6€ les 8 litres. Donc, ça valait le coup. Pour mes chéris, j'ai pris des fruit shoots, voilà, parce que... Elise boit de la ice tea aussi et puis et du coca, mais Martin lui n'aime que l'eau et c'est tout à son honneur, c'est vachement bien, mais pour les fêtes, voilà, je me disais que ça serait peut-être un peu plus fun. Ça, en général, l'été, il aime bien. J'ai repris, on en avait encore, mais je ne retournerai pas avant, entre les fêtes, chez Leclerc. Donc j'ai pris un pack comme ça d'avance, ben, pour Johan, donc la goudale ambrée. J'ai repris du cidre de Bretagne, celui qu'on aimait bien. J'ai pris ça parce qu'en fait, au moins les bouteilles étaient attachées, c'était un peu moins fatigant. Pour mes kirs, même si en ce moment, j'aime plus trop ça, on sait jamais, j'ai pris une petite bouteille d'avance, ben, de blanc tout ordinaire, hein, pour mettre de la crème dedans. Pour les fêtes, la seule boisson que j'ai achetée pour nous, c'est une bouteille de crémant d'Alsace, donc le Wolfberger, qui est super bon parce que
eh bien, au Lidl, j'avais acheté une bouteille de crémant rosé d'Alsace. Il était abominable, mais il était tellement abominable qu'en fait, on n'a pas pu finir nos verres et qu'on l'a jeté. Donc, je sais que si je ne veux pas me redéplacer, voilà, je l'ai d'avance. Après, je pourrais compléter tout le reste avec le Lidl qui a des super produits, mais pas leur crémant. Donc, hop, ça c'est fait. Et puis, avec la Lisette, eh bien, on s'est remise au Coca. Voilà, enfin, on s'est remise, on boit une bouteille tous les 10 jours peut-être, donc il en restait plus, donc j'ai pris deux bouteilles, ce qui nous amènera hop, à la fin de l'année. J'ai fini pour ces courses, j'en ai eu pour 120 €, j'ai eu 9 € de ticket Leclerc. Johan, avec ses achats ce matin, a eu pour 40 € de ticket Leclerc, je crois. Et donc en fait, on en arrive à 90 € sur la carte Leclerc, c'est cool. Nous, on va tout garder jusqu'aux vacances d'été l'année prochaine. Je vais tout ranger. Je vais vous faire de gros bisous et je vais aller poster mes colis. Salut !